Bonjour, je suis Juliette Roncin, je suis jeune docteur de l'ENS, membre associé à l'IHMC et enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le rôle de l'historien et de l'historienne est d'apporter un éclairage sur le passé qui peut également permettre de mieux comprendre les sociétés présentes, les sociétés contemporaines. Dans le cadre de ma thèse, plus précisément, je me suis intéressée aux trajectoires de personnes d'origine yougoslave qui sont venues en France dans les années 60-70 à Belfort-Montbéliard. À travers ces recherches, je me suis intéressée donc à l'histoire des migrations, alors que les migrations peuvent faire l'objet de récupérations politiques, médiatiques, et donc le rôle de l'historien peut être primordial pour apporter des connaissances sur ce sujet. Et dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse aux trajectoires des individus qui sont parfois peu connus et peu visibilisés, des individus qui appartiennent à la fois aux classes ouvrières et qui sont également immigrés, qui sont venus en France dans les années 60-70. Cette recherche peut permettre aussi d'apporter davantage de connaissances sur l'histoire de la Yougoslavie, qui est un peu moins étudié en France et qui a souvent été analysé par le prisme du conflit dans les années 90. À travers cette recherche, je montre aussi les effets des politiques, notamment administratives, sur les trajectoires des individus. Le rôle de l'historien permet d'apporter un éclairage concernant les conséquences des politiques migratoires sur les trajectoires des individus. L'immigration yougoslave en France a été peu étudiée dans les travaux historiques. Cela montre que certains champs en histoire peuvent encore être approfondis et étudiés par les historiens et les historiennes.